rap est dû au manque de dignité de manière générale qu'il y a parmi ceux qui se sont voulus pendant trop longtemps les représentants d'une population qui souffrait depuis un certain temps. C'est une réalité. Quand je vois des gens qui, je citerai pas de nom parce que je pense que le plus important c'est de s'attaquer à des comportements plutôt qu'à des personnes, mais quand je vois un certain groupe de gens aujourd'hui qui sont dans le bling bling, hier ils te parlaient de justice, tu parles d'esclavage, ils te mélangent esclavage avec une vision dégradante de la femme, ils te mélangent esclavage avec le fait de dire qu'ils voudraient avoir leur place dans la société. Moi je le dis depuis le départ, je suis pas un mendiant. Mais le fait que vous voyez pas la télé beaucoup d'artistes qui sont plus engagés que d'autres, ça c'est le choix des médias, mais ça veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas d'artistes qui ne sont pas engagés, des artistes comme nous. Qui prennent la parole, qui s'engagent dans leur lyrics, il y en a beaucoup. Le problème, c'est qu'ils sont pas exposés. Même, tu vois, nous on sait comment c'est au bled. Hein. Le bled, c'est pas la France, mon frère. Tu vois ce que je veux ça dire? Ça aussi, au bled. Je veux dire la liberté d'expression. C'est tu dur. Vois ce que je veux dire? Le bled, ça arrive pas. Tu vois? Ça veut dire, les gens, ouais, c'est ça. Même aujourd'hui, si tu débordes, on va chercher ta famille. Voilà, tu vois. Les gens, quand ils ouvrent leur gueule, c'est quand ils sont à l'étranger. Voilà, par rapport à l'engagement, y a pas, oui, on fait de la musique, mais y a des rappeurs. Par exemple, des œuvres caricatures, des trucs humanitaires. Ça, tu sais pas. Tu vois, moi, j'ai plusieurs associations. Il y en a une qui est à part où on fait vraiment du boulot. Et chaque année, on envoie des jeunes de quartier au Sénégal pour monter une maison de quartier pour dans un petit village à Fatigue, à 160 km de Dakar. C'est vraiment pour essayer de passer le message aux frères. France-Afrique, c'est une relation particulière. France est accusée d'avoir de lourdes responsabilités dans les massacres. Pendant 4 ans, elle a soutenu et assisté l'armée et le régime du président Habyarimana dans une guerre qui très vite apparaît comme une guerre civile. Mais ça ne va pas au-delà de cela. Cette relation que la France a entretenue après la colonisation, en fait, de Gaulle, il a préféré que donner l'indépendance à l'indigène plutôt que de lui donner la citoyenneté, parce qu'en lui donnant la citoyenneté, il avait dit, si jamais je donne la citoyenneté aux colonies, aux indigènes, ben, un jour il y aura un président qui sera noir ou arabe, il faut vous y attendre. Et donc il avait préféré, à l'époque c'était comme ça, je veux dire, bon, c'est facile aujourd'hui de stigmatiser, de dire que de Gaulle, tout le monde pensait ça. Alors, c'était ça malheureusement le problème et la difficulté. Quoi. Mais que ce soit Mitterrand, que ce soit Chirac, ça n'a absolument rien changé. Alors avec Sarkozy, ça va être bien évidemment bien pire pour tout le monde là-bas. Quoi. Et je pense que tout le monde en est conscient. Et sa visite à Sarkozy au Sénégal et son discours de Dakar a été pour ça, pour nous, le coup de semonce. Quoi. C'est-à-dire, l'Afrique sera plus que jamais seule face à son destin. Et la France va tenter, dans une dernière gesticulation hostile, à piller le continent. La vérité, les roches au niveau motivation, au niveau d'implication.